Alors, salut à tous les amis, bienvenue sur Vega TV. Aujourd'hui, on va parler Stick Arcade, la sortie de Street Fighter 6 et les sorties à venir du nouveau Tekken et de Mortal Kombat 1, l'espèce de reboot, font quand même que le versus fighting a le vent en poupe ces temps-ci. J'ai donc décidé de choper quelques Stick Arcade pour faire quelques comparaisons. Et là, je me suis penché sur le Stick Ori, hein, c'est le Alpha, dédicacé à Street Fighter 6. J'étais curieux, j'ai vu l'ami Koyu qui a fait un unboxing du stick en question. Ça a éveillé ma curiosité. Je vais le comparer avec d'autres sticks, d'autres matériels boutons, stick justement. Et on fait un petit peu le point sur est-ce que ce stick à environ 250€ vaut la peine pour jouer notamment à Street Fighter 6. C'est parti. Freedom. It's all for you. Bon, je vais pas vous faire l'unboxing, hein, mais donc vous le recevez dans une boîte qui est quand même franchement colossale. Bon, voilà, on aime bien les grosses boîtes, ça fonctionne. Bon, ça prend de la place. En même temps, le stick est assez gros. Bon, voilà, la boîte, elle vaut ce qu'elle vaut. On vous fait un petit récap de ce que vous savez faire avec. Je vais vous le faire, le petit récap, en fait. Donc, en fait, le stick, vous le recevez comme ceci. Il est compatible PS5, PS4 et PC. D'ailleurs, si vous voulez passer en mode PS4, PS5, vous avez ici un petit switch et vous savez faire PS4, PS5, PC. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Moi, je l'ai pour l'instant essayé uniquement sur ma PS5. Il a été reconnu nickel. C'est parfait. Bon, alors, il a quelques particularités, ce stick. Esthétiquement, on va en parler après. Mais donc, on peut l'ouvrir. Ici, vous avez un petit bouton que vous voyez ici. Donc, là, il est fermé. Là, vous l'ouvrez, hop, et vous pouvez l'ouvrir et vous avez donc accès à l'intérieur. Ça a quoi comme intérêt? En fait, ça a plusieurs intérêts. Déjà, ça a intérêt que si vous voulez modder votre stick, donc changer les boutons, vous pouvez le faire. Évidemment, c'est vous qui devez acheter des boutons différents si ceux-ci ne vous plaisent pas. On va y venir. Mais alors aussi, il va renfermer le câble parce que c'est évidemment un stick filaire. Et donc, il va renfermer le câble là, à l'intérieur et il va venir se loger bien discrètement. Bon, le but, c'est d'y jouer. Donc, le câble, moi, je le laisse à l'extérieur. Voilà. Hop, on ferme. Deuxième particularité de ce stick, et ça on vous l'explique sur la boîte aussi, notamment ici, et en fait vous pouvez, en enlevant juste deux vis à l'intérieur, ouvrir la plaque avant là, hop, et vous pouvez remplacer l'illustration qui est à l'intérieur, l'espèce de panel, hein, le panel art que vous retrouvez ici. Vous savez en télécharger environ 8, je vais les afficher. Voilà, vous avez un code, un bonus code, hein, avec le manuel. Voilà, bonus content avec un QR code, vous les téléchargez, hop, et vous pouvez donc comme ça en installer d'autres ou éventuellement les réaliser vous-même. Évidemment, vous devez les imprimer vous-même, donc avec une imprimante de qualité. Donc oui, c'est pratique, mais après il faut tout faire soi-même. Donc voilà, j'aurais préféré franchement qu'ils mettent quelques autres panels, quelques autres illustrations à l'intérieur de la boîte et qu'on n'avait plus qu'à les changer. C'est pas ça qui va les ruiner, surtout pour le prix du stick. Alors, c'est Ori. Moi, je ne suis pas spécialement affilié à la marque Ori, même pas du tout. J'ai un stick Ori hein, sur mon Xbox 360, un stick Tekken, je crois. J'ai jamais été fan de ce stick-là, je le trouvais beaucoup trop léger. Celui-ci, franchement, il y a déjà un bon petit poids. Je crois que c'est environ 3,5 kg qu'il fait. J'avais pas trop la notion, mais en fait, voilà. Celui-ci, franchement, il fait le poids qu'il faut. Quand vous l'avez sur vous, c'est pas trop lourd. Et quand il est posé, c'est du solide, quoi. C'est du solide, il y a des petits antidérapants en dessous. Donc, franchement, ça fonctionne. Voilà, je vais y revenir aussi dans l'analyse. Donc, par rapport aux différentes possibilités, ce sont ces deux grandes particularités. Hein. Ouverture facile, vous savez, remplacer les sides là-bas. On vous en montre un petit peu là. Pour le reste, on va parler du stick. Comme ça, je peux me débarrasser de la boîte. Alors, ce stick, qu'en dire ? C'est quoi le plus important? Le plus important, c'est de mettre ses mains dessus et de se demander, tiens, qu'est-ce que ça vaut? Bon, déjà, il faut savoir que c'est équipé en boutons et en stick Hayabusa. Moi, je suis habitué au Sanwa. J'aime beaucoup le Sanwa. Sanwa, c'est quoi? C'est la marque de boutons qu'on va retrouver sur beaucoup de bornes arcade japonaises et notamment sur le Capcom Arcade Stick. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, probablement. C'est pas le stick qui a le plus de succès. Hein. Il a été fort critiqué. Moi, j'aime bien l'objet. Je l'avais acheté pour l'objet. J'y ai pas joué énormément. Par contre, il est équipé en Sanwa, lui. Stick et boutons. Moi, mes bornes arcade sont presque toutes équipées en Sanwa. Et c'est un choix, ce n'est pas un hasard, parce qu'on a en fait deux marques, Sanwa
Seimitsu. Seimitsu, pour ceux qui ont vu ma vidéo, j'ai modé mon stick arcade Neo Geo, là, mon arcade stick pro, en full Seimitsu. Ça, c'est le... On va dire que c'est la marque de boutons et de sticks peut-être, peut-être préférée des gros, gros, gros puristes. En fait, Seimitsu, c'est déjà la marque qui équipait les sticks Neo Geo d'origine, il y a de cela 30-40 ans, là. Hein. 30 ans. Mais c'est un peu dur, je trouve, quand même, Seimitsu. Et c'est vraiment, vraiment pour les joueurs très techniques. Sanwa, c'est beaucoup plus soft, que ce soit au niveau du stick ou au niveau des boutons, d'ailleurs. Sanwa, c'est beaucoup plus soft. Ça fait pas du tout le même bruit. C'est très précis, mais ça peut arriver avec le Sanwa de lâcher des coups sans le faire exprès. Avec le Seimitsu, c'est moins souvent le cas parce que c'est vraiment boum, c'est rugueux, ça va droit au but quoi, à la japonaise. Ici, c'est un petit peu plus fluide et parfois on peut lâcher des coups. Les boutons, j'aime beaucoup que ce soit l'un ou l'autre, ils ont ce truc que c'est d'une précision folle. Quand vous appuyez, vous savez que vous avez appuyé. Et les boutons Sanwa sont aussi un petit peu plus fluides, comme leur stick d'ailleurs, que les Seimitsu. Vous allez me dire, bah oui, mais tu nous parles de Sanwa et de Seimitsu, mais parle-nous un petit peu des boutons Hayabusa ici. Bah oui, bah justement, si on ne connaît pas ces deux marques-là, on va probablement se dire, ah ouais, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Mais objectivement, moi, je suis très déçu des boutons. En fait, les boutons, ils sont cheap. Écoutez le bruit. Je sais pas si ça s'entend. Désolé, il y en a qui vont adorer et qui vont trouver que c'est le meilleur stick du monde et qui connaissent les autres marques, tant mieux. L'analyse d'un stick, c'est très subjectif. Néanmoins, moi qui joue avec les deux autres marques, ceci pour moi, c'est non. Je vais peut-être garder le stick. En fait, quand je l'ai déballé, quand je l'ai commandé via Amazon, je me suis dit, bon, je m'en fiche, je vais le commander. Si j'aime pas, je le remballe, puisque c'est la politique d'Amazon. Ici, j'ai joué quelques parties. Après deux, trois parties, je me suis dit, non, je peux pas garder ça. Et puis, je me suis dit, mais en fait, il a quand même des qualités sur lesquelles je vais revenir. Hein. Ergonomique, ce stick, il y a des choses que j'aime bien. Et c'est vrai qu'il est facilement modable. Mais bon, c'est quand même fou de se dire qu'on paye un stick quand même super cher pour au final directement aller enlever les boutons et les remplacer par des boutons qu'on va payer quoi, 3 euros pièce, je ne sais plus le prix d'un bouton sanois. C'est un peu dommage. Mais voilà, je suis en réflexion. On va y revenir aussi. Les boutons ici, pour moi, c'est pas bon. Donc, je vous explique. En fait, ils donnent cette impression quand on appuie. Voilà, on a une zone où on sent qu'on ne sait pas si on a appuyé ou pas. On n'a pas ça avec les Sanwa et les Seimitsu. Et en plus, on a l'impression que les ressorts sont mous. Alors, c'est une impression. Et quand ça se relève, bah, ça fait ce bruit de bon marché, de boutons légers, et cette impression d'imprécision. Donc moi, je n'aime pas jouer avec ces boutons-là. Alors, quand je dis je n'aime pas, c'est par rapport à ces sticks-là, mais aussi par rapport à mes bornes arcade. Et forcément, quand on est habitué de jouer avec un certain type de contrôle, bah, on n'aime pas trop en changer. Mais ici, les boutons, je ne suis pas fan. Le stick, je préfère Sanwa parce qu'il est un petit peu plus fluide. Mais franchement, je m'en contente très bien. Je ne pense pas que je vais le changer d'ailleurs, le stick. Si je garde le stick arcade, le joystick, je ne pense pas que je vais le changer. Je vais garder celui-là et je changerai bah oui, les 8 boutons qui sont ici. Le bouton start qui est là, bah lui, je m'en fiche. Je vais le laisser parce qu'on appuie dessus une fois. Mais ces boutons-ci, je vais les remplacer. Je ferai une vidéo, évidemment, si je mode le stick. Hein. Je ferai une vidéo, c'est sûr. Je vais encore réfléchir 2-3 jours. Je vais encore jouer. Mais c'est vers ça que je m'oriente. Je pense que je vais le garder et que je vais le modder. Vous le verrez de toute façon dans les vidéos, dans les 3 semaines à venir. Si je le garde et que je le mode, bah, la vidéo sortira dans 3 semaines. Alors, on revient à la présentation du stick. Donc, vous avez forcément le joystick. Vous avez donc les 8 boutons ici qui sont chaque fois notés si c'est carré, croix, triangle, etc. par rapport à la PS5, puisque moi, j'ai choisi la version PS5. C'est un truc sous licence officielle, hein, Sony. Voilà. Alors là, vous avez donc forcément le logo Ori. Vous avez donc les différentes touches qu'on va retrouver sur la manette. Forcément, la touche PlayStation. Vous avez la touche fonction. Vous avez la touche pour enregistrer vos parties, enregistrer les dernières secondes de jeu, etc. Et puis alors, vous avez les touches L3, R3 qui vont s'afficher là. Vous savez le loquer, hein, pour si vous voulez qu'il ne réponde plus, qu'il soit bloqué, c'est là. Hop. Et là, donc, comme je vous le disais, vous pouvez choisir PS4, PS5 ou PC en fonction de sur quel support vous jouez. J'aime bien, je vous l'ai dit, hein, son poids. J'aime bien aussi au niveau de la prise ici.
Bah en fait, vous avez un arrondi et une poignée, donc ça veut dire qu'il est facile à transporter. Il n'y a pas besoin d'aller jouer chez sa grand-mère pour qu'un stick soit facile à transporter et que ce soit intéressant. Parce qu'en fait, enfin moi perso, le stick, je le range. Si je ne joue pas avec, je le laisse pas dans la game room ou je le laisse pas dans le salon, non. Je le prends, je le range et je le mets dans une armoire ou bah, par exemple ici, j'en sais rien. Mais donc ça veut dire que je vais le balader souvent. Et plutôt que de se balader comme ça, bah, c'est plutôt sympa parce que là, on sait vraiment le tenir à une main. Et vu qu'il y a déjà du poids là-dedans, ce qui est une qualité pour moi, bah, le fait qu'on puisse le tenir à une main, grâce à cette poignée, au niveau de l'ergonomie, c'est très important ça pour moi. Vous allez dire, ça peut être une connerie, mais non. Alors, on a aussi ici des petites prises, mais ça, je trouve ça moins intéressant. C'est vraiment là qu'on va prendre notre pied avec. Donc voilà, franchement, c'est un bel objet. Comme je vous l'ai dit, je vais probablement le garder. En fait, j'avais commandé un Daija chez Nakon. Amazon l'a signalé comme envoyé le 31 mai. Je devais recevoir livraison garantie avant 20h le 2 juin. Et je ne l'ai toujours pas aujourd'hui, on est quoi, le 18 juin là. Donc, bah ouais, c'est pas cool. Donc moi, ça fait 2 semaines que je joue à Street Fighter 6 à la manette. Là maintenant, j'ai joué 2 jours, enfin depuis vendredi là, on est dimanche. Au stick, bah ça n'a rien à voir évidemment. Le plaisir de jeu, c'est au stick pour jouer au jeu de combat. Même si j'ai pas un level de fou, c'est vraiment, vraiment, vraiment plus fun de jouer au stick, ça c'est certain. J'aurais voulu essayer le Daija, ben voilà, je l'ai dans le pet. Et maintenant, il est plus disponible sur Amazon, donc je suis pas très content. J'ai mis une évaluation négative parce qu'en fait, mon objet, il est toujours soi-disant en envoi. Hein, vous voyez, donc 2 semaines plus tard, donc ça fait pas plaisir. Maintenant, on verra. Voilà, j'ai fait mon petit coup de gueule, voilà. Mais je pense que je l'aurai jamais. J'ai aussi hésité à commander le Canba. Un des modèles Obsidian 2, donc un truc vraiment high level, mais là il n'y avait pas de retour autorisé, hein, donc parce que c'était pas vendu directement par Amazon. Du coup, ça me met pas en confiance. Je me dis bah oui, mais ça c'est casse-pied parce que si je reçois le stick et qu'il ne me plaît pas, vu que là on est sur plus de 300€, j'ai pas envie de devoir me coltiner un stick que j'aime moyen. Donc dans les mentalités d'aujourd'hui, dans les facilités et avec les facilités qu'on a via Amazon, ben le retour autorisé et remboursé, pour moi, est un vrai atout. Alors qu'en fait, finalement, les objets qu'on commande, souvent, on les garde. Hein, donc, voilà. Donc, tout ça fait que, ben oui, je vais sûrement le garder, celui-ci. Et vu qu'il est compatible PC aussi, ben du coup, je pourrais l'utiliser plus volontiers. Dommage qu'il ne soit pas compatible Xbox, parce qu'alors, du coup, ben, ça, j'aurais pu jouer sur le Game Pass avec, c'était beaucoup mieux. Mais bon, voilà, j'ai quand même l'abonnement en PS aussi, compatible PC, PS4 éventuellement, hein, si je ressortais la PS4, mais bon, ça m'étonnerait. Donc je pense, oui, je vais le modder, je vais le garder. Si vous, maintenant, vous devez investir dans un stick et que vous n'en avez pas encore, ben, je vais pas vous dire ruez-vous sur celui-là. Franchement, il a des qualités. Ben, si on compare au niveau de l'ergonomie avec ce stick-ci, que j'utilise beaucoup, notamment pour jouer à la Neo, et pour capturer d'ailleurs aussi, pour faire mes vidéos, ben, au niveau de l'ergonomie, il n'y a pas photo. Je préfère vraiment de loin un truc rectangle comme ça, avec des côtés un petit peu en angle. Ça, je trouve que c'est vraiment confort. Il y a de la place pour mettre ses mains. Quand on l'a sur nos genoux, il est bien posé. Ceci, il y a moins de place. Les mains sont moins bien mises, le poignet est cassé différemment. Franchement, ça, c'est pas idéal comme ergonomie. Et ceci non plus, c'est pas idéal comme ergonomie pour les mêmes raisons. Après, là, on s'est joué à deux, c'est un autre délire. Donc, les qualités, il y en a, oui. L'ergonomie générale du stick, la facilité pour aller à l'intérieur, l'éventuelle facilité avec 2 petites vis à enlever pour ouvrir et changer l'art design, pourquoi pas. Par contre, les boutons, c'est franchement, pour moi, c'est non. Mais si vous appréciez Hayabusa, ben alors vous allez vous éclater avec. Et ça, c'est cool, tant mieux. Le stick, franchement, là, pour moi, il fait le job, il est bien. Je le changerai peut-être, hein, juste pour le fun, pour être en full sanois, mais vraiment pas sûr, je vais voir. Et voilà, on a fait le tour. Alors le reste, oui, le reste, c'est purement esthétique. En fait, le logo Street Fighter, il a vraiment pas la cote. Il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Bon, je trouve qu'il est vraiment pas terrible, en effet, mais il me laisse assez indifférent. Le côté flashy, arcade, 90s, oldies du stick, ben moi j'aime bien, ça me rappelle justement cette période arcade. D'ailleurs, mon petit coin d'enregistrement ici, il est dans ces lumières, Cocktail and Dreams, néon, période arcade des 90s. Donc forcément, en fait, ça me parle. Le côté un petit peu orange fluo mélangé au mauve, tout ça, j'aime bien, noir. Donc perso, je trouve que ouais, il est joli, il a de la gueule. Et l'illustration, ben, elle n'est pas extraordinaire, mais voilà, elle fait le job et puis elle est liée au jeu.
faudra voir quoi. Je mettrai quand même peut-être une autre, évidemment, ou je ferai une moi-même, puisque de toute façon, il faut quand même la découper, il faut quand même l'imprimer. Donc je pars sur un modèle que j'ai téléchargé et je le retravaille et je peux changer complètement. Je le fais tout noir, j'écris Vega TV, j'écris je vous aime dessus, j'en sais rien. Mais bon, voilà, il y a moyen de faire, ça a un bon petit stick, c'est pas donné. Ils ont utilisé du matos un petit peu cheap. Ils ont été radins sur le fait qu'ils n'ont pas mis les art sets avec, qu'on doit les imprimer nous-mêmes. Mais bon, vu ce qu'il y a d'autre sur le marché et vu le prix quand même, hein, des sticks qui peut être très élevé très rapidement, c'est un compromis qui tient à la route. Voilà, c'est pas le meilleur stick du monde, mais je vais le garder, je crois. Et je vais le modder, je crois. On peut toujours changer d'avis, hein, évidemment. Voilà, c'était donc un petit échange avec vous. Mon avis, je ne suis pas du tout un expert des jeux de combat, mais c'est vrai que je manipule beaucoup de joysticks et de boutons, notamment avec les bornes, et je trouve qu'un stick comme ça, c'est censé se rapprocher de la sensation d'une borne arcade. Donc, c'est ce point de comparaison-là que j'aimais mettre en avant pour vous, avec vous, les amis. Et en attendant, je vous souhaite d'ores et déjà un très bel été. Vous le savez, parce que là, il est en train de pointer le bout de son nez. C'est une question de jour. Et je vous dis à très bientôt sur Vega TV. Ciao !